Amélie Goulard, directrice de l'exploitation de l'EPL de Faye-Biot en Haute-Marne. Donc on a une exploitation horticole, on produit majoritairement des plantes à massif, des légumes bio et puis de l'osier, surtout c'est notre spécialité. Depuis le lundi 16 mars, donc l'établissement, comme tous les établissements scolaires de France, a été obligé de fermer ses portes à tous les apprenants et à une grande partie des personnels. Ici, à l'exploitation, on maintient quand même notre activité de production, au moins. Et donc ce maintien de l'activité, il est possible grâce à la présence encore des 4 salariés de l'exploitation sur place, qui sont tous en bonne santé encore et motivés pour venir travailler. Les gestes barrières se sont mis, je dirais, assez naturellement en place, puisque le fait qu'on ait des activités qui soient très diversifiées, ça permet que chacun puisse travailler sur des postes différents et donc avec des distances de sécurité qui sont suffisantes. Pour ce qui est de la commercialisation, on continue à vendre simplement nos légumes bio sur des créneaux horaires restreints. Donc ça veut dire port de masque, port de gants, désinfection régulière de tout ce qui pourrait être à risque. Et on tient à continuer ça puisque on constate aussi une très forte augmentation de la demande hein, sur le territoire. Mais par contre, toute la vente de végétaux est fermée. Donc ce qui veut dire qu'on ne sait pas encore si on pourra écouler les productions qu'on est en train de produire. Voilà, bon courage à tous.